C'est un duel de blondes. Quoi? Oh oui, oh, ça va, c'était la seule perruque blonde que j'ai. Voilà, j'ai fait au mieux avec les couleurs bleues, histoire de se coller un peu aux candidates. Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour la très très grande finale attendue de ce Hunger Game of Sins Disney Edition, puisqu'aujourd'hui c'est la grande finale. Pour savoir laquelle des deux princesses restantes épousera le prince. Et lui fera des milliards de bambins qui hurleront et saloperont tout le sol. Il nous reste en lice la belle Cendrillon, reine des Souillons, qui par un coup de baguette magique est devenue une princesse magique. Ainsi que Elsa, la reine des neiges, celle qui nous casse les oreilles avec sa chanson pourrie depuis des années. Voilà, c'est vraiment nos deux candidates qui restent. On va dire que je suis pro Cendrillon parce qu'elle m'a carrément moins cassé les bonbons que Elsa. Mais c'est pas moi qui vais décider puisqu'elles vont s'affronter l'une contre l'autre en trois manches sur trois disciplines différentes. Oui monsieur, oui madame. En premier lieu, vous pouvez le voir, nous aurons une partie de baby-foot. Ensuite, une partie de ping-pong. Déjà ici, il y aura forcément une gagnante hein, sur les deux. Si la même gagne pour les deux, eh bien peut-être que ce sera fini. Mais pour le beau jeu, on continuera. La dernière compétition se fera aux fléchettes. Nous allons donc commencer la plus âgée des princesses dans les contes. Hein, c'est Cendrillon qui est apparue la première, qui va donc inviter Elsa à être défiée. Donc elle va défier Elsa au baby-foot. Et ça sera bien. Regardez-moi ça. Elles sont déjà en train de s'asticoter là. C'est pour mieux avoir du punch pour la bataille. Ça y est, c'est parti. Le ballon est lancé. Cendrillon est à fond tandis qu'Elsa ne fait rien. Elsa, tel un aileron de requin, est en train de... Ah non, on ne sait pas. J'ai pas l'impression qu'Elsa est à fond dans la compétition. Elsa, il y a un prince à gagner. Son cœur, et pas que. Il y a aussi ses fesses. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Elle est vraiment pas dans la compète, Elsa. C'est... Peut-être va-t-elle perdre ce premier match. Ah, en tout cas, elle s'énerve. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit moodlet qui dit qu'elle a perdu, donc je surveille. Oh! Et je crois que c'était un point, encore une fois, pour Cendrillon. Cendrillon a l'air d'être vraiment bien parti pour cette game du baby-foot. J'espère que ça va rester comme ça. En tout cas, bon, ben, de toute façon,
Le sort en est jeté, hein. Ce sera une blonde qui va remporter le cœur du prince. Mais laquelle? Ah, 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 ah. Petite difficulté, Cendrillon? Peut-être? Je sais pas si on peut vraiment suivre le jeu en regardant la balle. Mais pourquoi elle joue là alors que la balle est là? Donc oui, non, je pense que ce n'est vraiment pas accurate de regarder comme ça. C'est pas comme le vrai jeu, en fait. La partie n'est pas encore finie, mais j'ai quand même l'impression que Cendrillon mène la game. Va falloir se décider, les filles, là. Le suspense est trop haut. On veut savoir laquelle des deux a gagné cette première manche. Ok, et c'est bien Cendrillon qui a gagné puisqu'elle a battu Elsa à 5 à 0. Première manche pour Cendrillon. C'est très bien. On va passer à la prochaine manche qui est, eh bien, tout simplement le ping-pong. Cette fois-ci, c'est Elsa qui va défier notre ami Cendrillon. Comme ça, c'est une chacune. Et ben pareil, hein, on va voir maintenant laquelle des deux sera la meilleure dans cette nouvelle discipline. Bon, ça commence mal pour Cendri. Au moins c'est cool parce qu'on a beaucoup de petites choses comme ça, de jeux pour départager des fois des Sims. Peut-être que si vous ne savez pas choisir entre un héritier et un autre dans un de vos challenges, pourquoi pas, et ben les faire s'affronter au baby-foot, au ping-pong et à autre chose comme ça, ça peut être vraiment sympa. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon autre Sauberry. On choisit une compétition de base et c'est le jeu qui va choisir quel sera notre héritier. Et c'est vraiment sympa. Ah là là, Elsa, ça craint, ça craint, ça craint. Ouh là là, et un point pour Elsa. C'est fini? Vainqueur Elsa, vaincu Cendrillon. Oh, nous sommes donc à complète égalité entre les filles. Ouais, te réjouis pas trop, va, cocotte. Te réjouis pas trop parce qu'on va finir la compétition, là. Puisqu'on a un partout, on va jouer avec Elsa aux fléchettes. Alors, c'est parti pour les petites parties aux fléchettes. C'est Elsa qui commence. Elle est plutôt pas mal, d'après ce que je vois. Enfin, au moins, elle a réussi à tirer dans la cible. Deux blancs, trois blancs. C'est à Cendrillon. Oula! C'est déjà du noir et du rouge. C'est déjà beaucoup plus près. Oh là là! Mais est-ce qu'elle serait pas vachement meilleure? Par contre, je vois qu'une seule fléchette. Là, par contre, ça compte pas. Ah non! Elle a mis les deux fléchettes au même endroit! Incroyable! Écoutez, je vais me mettre comme ça, parce que je vois beaucoup mieux la cible. Et au lieu de me coller à l'écran comme ça ne sert à rien. Alors déjà, c'est nul. Hein. Ça, c'est Elsa qui joue la première. Là, ça a compté quelques points. Très bien, très bien. Et nul. Pour l'instant, j'ai l'impression que Cendrillon mène un peu le jeu pour les fléchettes. Allez, Cendrillon! Go! Ah, bah, première fléchette, nul. Deuxième. C'est des points. Oh, bah oui, bah d'accord. C'est pas excellent, excellent, mais c'est toujours ça. Est-ce que ça continue? Oui, effectivement, ça continue. Regardez-moi ça. Elles ont le sourire et tout. Elsa, elle dit, bon alors, comment on joue? What? What? Elle a mis un centre? Mais non, mais... Faut pas qu'elle gagne. C'est ma préférence, quand même. On est à 9 points à 6. C'est ça, le truc? Non, elle est encore à jouer. Ah merde, non Cendrillon, allez, joue mieux que ça. Oh là là. Je crois que c'est les points qui est en dessous, mais je ne suis pas sûre du tout. C'est vrai que je fais rarement les compétitions de fléchettes. Elsa a battu Cendrillon 9 à 6. Bah écoutez, c'est Elsa qui a gagné. C'est Hunger Games of Sims. Voilà. Voilà, voilà. Cendrillon, ça sert à rien. Vous voyez bien qu'elle est à côté de la cible. Elle a perdu et elle a bien gagné. Cendrillon, tu vas devoir mourir, ma petite. Je suis désolée pour toi. J'avais espoir que tu gagnes face à la dinde qui
patine sur la patinoire. Malheureusement, c'est Elsa qui a gagné. Je suis triste. Cendrillon étant la reine des souillons, puisque ben voilà, hein, elle a été considérée comme une souillon quand même. Je me suis dit, pourquoi pas tenter la mort par les mouches? J'ai peu d'espoir, hein, parce que ça a l'air d'être complexe, mais je l'ai fait donc s'entourer de quatre bennes avec des poissons que j'ai posés par terre, qui sont, qui j'espère vont pourrir et attirer les bestioles. Pendant ce temps-là, notre petite Elsa est en train de faire connaissance avec le prince. Et oui, parce que c'est pas comme dans les Disney, là, il faut quand même qu'ils s'apprennent un peu à se connaître et qu'ils s'aiment un petit peu avant de passer au mariage. Mais, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est comme ça. C'est elle qui a gagné, après tout. Oh! Oh, il dit, oh oui, c'est vrai que c'est moi que tu as choisi. Oh, le jeu a choisi toi. Oh, moi ça me va, il en peut plus. Il dit, ouais, pas mal la blondinette. Oh, ah oui. Ça a l'air d'aller, ouais. Il y a des choses qui s'accumulent, mais rien ne pourrit, et je pense pas que Cendrillon, qui s'est pissé dessus, mourra par les mouches. Je sais pas comment ça fonctionne pour les mouches. Mais comme elle a chaud et qu'elle a faim, je sais pas laquelle des deux on passe. Est-ce qu'on va la mettre, on va la faire s'habiller en tenue de ton chaud, là, voilà. Il n'y aura pas de différence, vous verrez. Mais elle pourra soit mourir de chaud, soit mourir de faim. Elle aura le choix. C'est sympa, je suis sympa quand même. Ah, nous avons une première notification. Elle va peut-être mourir de chaud, c'est ce qui est le plus rapide. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire mourir Elsa de froid, mais... Malheureusement, c'est elle qui a gagné, donc ben, c'est comme ça, c'est... On peut pas choisir vraiment à tous les coups, quoi. Regardez comme ils sont bien tous les deux. Comme ils se prennent déjà à l'aise. Assis sur les trônes, un peu du châtel, des princesses. Ils sont beaux comme ça. Destinés peut-être. Oh là là! Oh là là! Et c'est un premier baiser pour Elsa et le prince. Comme c'est beau. Alors que Cendrillon n'emmène pas large. Bah non, ma biche, je suis bien d'accord, mais bon. Fallait mieux gérer, quoi. T'avais super bien commencé et t'as merdé sur les fléchettes. C'est comme ça. Pourtant, t'avais fait un super tir, là, il me semble, au départ. Mais bon. T'es nul, t'es nul. Oh, ça y est! Ça y est, ça y est, ça y est! Bon, bah, comme les autres, elle sera morte de chaud. Faute de pouvoir faire autre chose. Au moins, le mort de chaud, ça marche à tous les coups. Parce que là, les mouches, bah, finalement, ça n'a pas marché. La faucheuse, ça y est, elle est là. Mais non, le prince, ne sois pas triste! Tu vas bientôt te marier avec la gagnante. Ma chère petite faucheuse, c'est la dernière fois que tu emportes une princesse. Puisque maintenant nous avons fait notre travail, nous les avons toutes départagées, nous avons trouvé la princesse qui sied au prince. Tu peux emporter cette âme impie de Cendrillon. Et on ne se revoit plus pour cette édition, la faucheuse. Merci pour ton service. Et ça y est. La cérémonie a lieu devant un petit public très restreint, le mariage de Elsa et du prince. Et voilà, le prince passe la bague au doigt d'Ariel, de Elsa. Je savais pas si ça allait marcher. Les feux d'artifice sont lancés. Oh yes, ça a bel et bien marché. Félicitations aux mariés et à la chanceuse qui a remporté le cœur du prince. Les invités sont bien sûr les princesses qui ont perdu. Mais elles ne sont pas rancunières pour un sou. Et ils vont pouvoir tout simplement danser, s'aimer jusqu'au... bout du monde. Tandis que les amoureux s'éloignent et vont vivre leur vie. Eh bien moi, je vous remercie d'avoir regardé ce petit délire que j'ai eu encore une fois sur les Hunger Games of Sims. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être qu'il y aura une saison 3, peut-être qu'il y aura un nouveau thème. Je ne peux pas vous dire quand encore pour l'instant. Mais en tout cas, peut-être que ça viendra. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager la chaîne pour m'aider à me faire connaître. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir été là pendant ce petit challenge et je vous dis à très bientôt. Ciao !